les amis, la pêche, la patate, la gouache, comment vous allez bien? Comment allez-vous bien? Ce soir, on va parler d'un dripper. Un petit dripper que m'a envoyé OpenVap, je ne sais pas comment on dit. Le Rashomon. Alors, Rashomon en français, ça fait un peu nom de fromage, vous voyez. Mais je ne sais pas comment ça prononce. Rashomon. Bref. Un dripper qui nous est livré dans une petite boîte en plastique magnifique du plus bel effet. À l'intérieur de cette boîte, rien puisque le dripper, je l'ai déjà avec moi. Donc on va retirer cette mousse qui est magnifique. Et on va retrouver un sachet de sperre. Et il y a quelque chose de hyper sympa dans ce sachet de sperre. Oui, des joints, mais ça jusque là, on a l'habitude d'avoir des joints de remplacement. Le petit cercle ici qu'on voit là, qui, hop, ça c'est, bah, c'est un réducteur de drip tip jusque là. J'ai envie de vous dire, rien de bien plus classique. Une clé Allen, des petites vis pour les plots, n'est-ce pas? Le petit truc qui est là, ça, bah, c'est pour, fermer un des airflow. Et puis sinon, le truc qui est très intéressant, c'est cette petite partie-là, là, qu'on voit sous mes mains. Je vais essayer de la sortir sans tout faire tomber. Alors, c'est pas gagné, parce que les petites vis vont tomber par terre et je ne les retrouverai jamais. Voilà. Cette petite pièce magnifique là, qui ne paye pas de mine, eh bien ceci est un pin positif pour votre dripper et c'est du BF. Et ça, c'est méga cool. On a un pin BF fourni avec, voilà. Donc ça, plutôt cool. Si vous avez une box BF, vous pouvez utiliser ce dripper. Donc ce dripper, il ressemble à ça. Voilà, c'est le Rashomon. Le Rashomon, donc j'aime beaucoup la ligne de ce dripper. J'aime ce côté très sobre d'un bloc. Les airflows sont donc de chaque côté. Vous avez deux énormes airflows non réglables. Hein. Voilà, on vient directement chercher l'air sur les coils. Voilà, donc nickel. J'ai un petit montage à l'intérieur. Donc ce que je vous propose, bah, je vous montre comment j'ai fait ce petit montage qui est en stainless steel. Ok, et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, on va se la faire soft. Un petit peu de stainless steel, un petit peu, tac, hop là, un autre petit, tac, un petit coil, petit coil, pour un petit dripper qu'on va voir dans deux petites secondes, n'est-ce pas, hein, allez, soyons fous, allez, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, je vais en faire 6, Allez, 6, enfin 6,5 puisque il y a un demi-tour. Je vais en faire un de plus parce que je vais faire, hop, autre chose. Alors, je vais enlever un petit tour ici et puis ils s'en vont. Oh, doucement. Hop là. Un peu trop. On va les écarter un petit peu, celle-là, là. Hop, on va l'écarter un petit peu. La 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 la. Ah, les pompiers, ça nous manquait. Hop, en voilà un. On va se faire un deuxième. Alors, j'avais fait combien? 7 tours. 1, 2, 3. 4, 5, 6, allez, 7 tours, et j'en enlève un. Allez, hop, encore un petit peu. Ah, et hop, hop, hop. Allez, alors, on va les resserrer un peu. Tac, tac. Après, on verra ça une fois dans la bécane. Alors, on est pas mal. Tiens, marrant ce plateau, non? Eh, franchement, il est pas rigolo, le plateau, là. Plateau, une espèce de plateau assez étrange, là, genre... hop, on va mettre
Hop, on va en mettre un ici. On va couper, hop, on va le repousser un peu sur le côté. Allez. Un peu chiant pour aller choper ce côté-là. En dessous. Tac. Alors, ensuite. Testons ça. Ouh, 0,17, mes aïeux. Alors, on est pas mal. On est pas mal, mes amis. Petit coton supplémentaire. Hop, oula. Ah. Oh, une moustache. Big papillon. Mais qu'est-ce qu'il est fort dans le montage, mais qu'est-ce qu'il est fort. Donc, on va mettre un petit peu de liquide là-dessus. Alors là, hop, je l'ai monté en stainless steel parce que moi, je travaille en watts. Voilà, je travaille en watts. Je vape en watts, comme qui dirait. Donc, j'ai pas envie de... Bon, après, ça permet, le stainless steel, eh bien oui, de pouvoir, si j'ai envie, switcher sur le contrôle de température. La seule petite
Chose à savoir, c'est que si vous voulez switcher sur le contrôle de température en stainless steel, il faudra attendre que votre râteau, enfin vos coils, refroidissent vraiment de façon à prendre la bonne mesure. Sinon, vos mesures sont faussées et ça ne marche pas. Donc, très franchement, je vous montre. Alors, on n'est pas obligé d'être à 83 watts. Hein, voilà, donc je vous montre. Il n'y a pas photo. Ça va super bien. Mon montage est fantastique, je tiens à le dire. Très très joli dripper. Le plateau, vous l'avez vu, je vous aurais mis des photos aussi, ou je veux vous mettre des photos du plateau qui est assez rigolo. C'est un plateau Velocity, ils l'ont légèrement j'ai l'air légèrement modifié, mais voilà. Et ça marche terriblement bien. Un bon rendu de saveur sur ce matos. Non, c'est un dripper que j'aime bien. Vraiment, vraiment très très bien. Open Vap, bien, bien joué. Et puis ce côté sobre fait un peu du bien, voilà, un peu de sobriété dans ce monde, c'est plutôt pas mal. Et oui, pour ceux qui se demandent, c'est bien la iJoy et c'est bien la Maxo que j'ai dans les mains. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que la Maxo, je fais pas une review là-dessus, hop, la Maxo, c'est ça, c'est 1, 2, 3 et 4 AQ, voilà. C'est du 4 AQ, je vous dis pas pour fermer la trappe, c'est un bonheur. Voilà, parce que du coup, alors, n'essayez, alors, voilà, n'essayez pas de mec disgrace complètement. N'essayez pas de mettre des accus que vous avez revrappés par exemple, parce que ça passera pas. Hein. C'est vraiment calé au chausse-pied là-dedans. Donc si vous avez remis quelque chose sur vos accus pour faire joli, oubliez, ça ne passera pas à l'intérieur. Peu importe. Donc oui, très très bon dipper de la part de Open Vap. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Eh bien, cette petite chose fait 26 cm. 26 cm. Non, 28, attendez, je regarde ma fiche. 28 mm, je suis dingue. 26 cm, vous voyez, c'est... 28 mm de haut, 24 de large. Donc malheureusement, tous les possesseurs de Pico, malheureusement, ne pourront pas mettre cette, ce dripper sur leur box. Malheureusement, ça ne passera pas. Donc voilà, top, très franchement, top. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins, n'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis, une petite barre pour le départ. Et c'est le fail, ah oui, parce que j'ai remis les piles, donc c'est redescendu à 30. Alors, hop, je remonte, allez, hop, je remonte, allez, on est dingue, allez, 80, allez, je suis retombé à 83 piles, je suis vraiment trop fort. Allez, une petite barre pour le départ, bisous masculins.